rencontre de Gérard May, de cinéma de Gérard May. Donc nous sommes avec Leïla Kilani. Donc vous avez réalisé un film qui s'appelle Indivision. C'est ça. Alors, ce film-là, moi, il est un peu surprenant. Alors je prends comme qualificatif. Oui, si vous mais êtes parce qu'en même temps, il mélange beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y a plusieurs gens. On sent qu'il y a de nombreux sujets à traiter dans ce film. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais est-ce que dès le départ, c'était justement l'accumulation de tout ça qui a fait que vous avez mêlé plusieurs histoires que vous avez... Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça doit être mon côté. Je sais pas. J'aime bien en fait avoir une justement casser les genres, c'est-à-dire quand vous avez dit surpris, moi vous pouvez pas me rendre plus heureuse, c'est-à-dire que j'aime bien un rapport au cinéma qui soit un peu un tube à essai, un peu que ça pétille, que ça pulse, que ça puisse peut-être déstabiliser, pas en espérant que ça puisse toucher ou enchanter, mais en tout cas, j'aime bien ce que vous avez dit. Si vous avez été surpris, il y a effectivement un thriller. C'est d'abord un conte, en fait. C'est un conte qui part du conte oriental par excellence, qui est Les Mille et Une Nuits, avec une Scheherazade 2.0. Et cette Scheherazade 2.0, eh ben, en fait, elle joue sa vie à chaque histoire publiée sur les réseaux sociaux. Et elle est aussi l'emblème d'une certaine inquiétude au monde de sa génération. Elle est adolescente, elle vit dans une famille qui possède un territoire, qui est en héritage au milieu d'une forêt, donc c'est un conte. Et cette forêt va rentrer en révolution, c'est-à-dire que tous ses habitants, riches, pauvres, désaxés, oiseaux et vivants, vont faire tourner la terre à l'envers. Moi, c'est pour ça que je disais ça, parce que moi j'aime bien être surpris au cinéma, parce qu'on voit souvent des films qui se ressemblent et après on les oublie. Mais ça devrait être le credo, vous pouvez pas nous rendre plus heureux. Effectivement, en fait, si vous voulez, moi j'ai un rapport très infantile, quasiment très intuitif au cinéma, où le cinéma doit être une expérience. Je vais pas au cinéma, je suis comme tout le monde, je regarde des séries. Les séries sont dans un rapport au corps et un rapport vraiment à la réception qui est complètement différente. On est chez soi, dans son lit, on va faire pipi, on répond aux SMS, on dort, on se réveille. Ça n'est pas cette espèce d'accident dans l'histoire de l'humanité de réussir à emprisonner les gens pendant 2 heures dans une salle noire et regarder dans la même direction. Et donc moi, quand je vais au cinéma, j'ai ce rapport immédiat. Primitif, où j'ai envie de voir quelque chose qui n'est pas de la série améliorée. Ça peut être un super spectacle Marvel ou autre, ou Dune, ou ça peut être une comédie, mais ce que je veux, c'est ne pas être dans une forme de... Ne pas être guidé, c'est tout simplement... De... Oui, mais moi j'aime beaucoup aussi le grand spectacle. Pas envie d'être... dans une forme de passivité. Moi, j'ai pas du tout un tempérament dépressif, mais ça me déprime d'aller dans une salle et d'avoir l'impression de subir dans mon corps ce que je subis avec une forme de bonheur, parce que ça me permet de m'endormir, de subir le même récit. Donc je peux regarder n'importe quoi, je peux regarder une comédie musicale, je peux regarder un film d'horreur, du moment qu'il investit l'expérience du cinéma. Et que c'est pas une version étirée, améliorée de la série ou de voilà. Et oui. En tout cas, dans votre film, on passe d'une thématique à l'autre assez facilement, parce qu'en même temps, c'est pour ça la surprise est là aussi, c'est-à-dire que vous arrivez à. Je suppose qu'il y a un gros travail d'écriture pour tout ça. Oui, en fait. Et de montage après. C'est les deux. Il fallait faire coexister mille et une histoires et avoir en même temps une intrigue qui est assez simple, parce que le principe même de la forme qu'on a tissé, c'est oser et s'autoriser en fait la prolifération, l'abondance, pour accueillir le chaos du monde et le chaos aussi de notre temps et de notre époque, que sont ces réseaux sociaux qui en fait prolifèrent jusqu'au vertige. Et moi, je voulais vraiment mettre les mains dans le cambouis, accueillir mille et une histoires, que ça nous fasse chavirer,
et qu'en même temps, ça soit dans une structure qui est celle du conte des mille et une nuits, donc de passer d'une histoire à une autre, à travers le regard de cette jeune ado qui est à la fois une espèce de petite sœur de Carrie, et en même temps un peu une sorcière contemporaine qui vient dans les marais et qui va déchaîner sa fureur et sa vengeance sur sa famille. Est-ce que c'est un peu vous ? Autant, c'est une question qui vient... Que d'autres personnages, autant, peut-être autant aussi. Que d'autres personnages. Mmh. Moi, je m'identifie beaucoup au père, par exemple, qui fait tourner par rond la famille, qui a du mal à trouver sa place. Je ne sais pas si... j'ai essayé d'être la moins manichéenne aussi par rapport à la famille, parce qu'il est pas... Il collabore pas beaucoup. C'est-à-dire que je m'identifie énormément au père, je m'identifie à la... je m'identifie à tous, peut-être pas à la grand-mère. Alors que c'est un personnage qui, pour moi, est très, très intéressant et très, très ambivalent, parce que je pense que son amour aussi tortueux, pervers et vénéné qu'il soit, il est sincère pour sa famille. Et c'est certainement ce qui... C'est le côté protectionniste, elle, peut-être ? Elle est plus que protectionniste. Hein. Mmh. Elle est quand même mutilante, totalement barbare. Elle est amoureuse de son propre pouvoir, parce qu'en fait, elle hérite de rien. Donc elle se bat pour une coquille qui est quand même totalement vide. Hein. Elle a une espèce d'ivresse d'être la gardienne de l'ordre. Mais en fait, elle n'en bénéficie pas économiquement. Son rêve, il est assez médiocre. Hein. Quand on voit, un petit Staline ou un petit dictateur, quel qu'il soit, c'est pas Richard. C'est à la fois Richard III et Médée. Elle avale ses enfants. Elle tisse comme ça. Son amour est sincère. Elle a cette espèce de course pour maintenir son pouvoir à l'intérieur de son royaume. Mais son rêve, il est... assez minable. Il y a dans un débat qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, ça m'a vachement touchée parce qu'il y a eu un spectateur qui a dit « mais en fait son rêve il est minable » et je me suis dit « ah, enfin un spectateur qui voit qui est sensible à son rêve ». Oui, elle a un rêve et son rêve c'est celui d'une petite bourgeoise, d'avoir un appartement, avoir une vie pépère, mais je crois que tous les dictateurs disent « mais moi j'ai envie d'avoir une cabane au bord de l'eau ». Je crois que Staline disait la même chose. Mmh. Il y a l'ivresse du pouvoir et finalement ils sont assez minables dans leur rêve. Mmh. Alors il y a quelque chose qui est important, c'est que le mot « indivision » il peut être pris sur différentes strates. C'est l'indivision de la famille, l'indivision du territoire, de l'appartenance justement. Est-ce que c'est pour vous, ça a été une analyse de faire un film comme ça par rapport à la situation qu'on vit en ce moment ? C'est une analyse, je crois que c'est pas un... Ou un constat peut-être ? En tout cas, c'est à partir de ce constat-là que j'ai voulu lui trouver une forme romanesque et une forme cinématographique avec un récit qui puisse comme ça empoigner tous les interrogations qui sont les nôtres, qui sont celles de l'époque, et l'inquiétude qui est sur l'héritage de cette terre qu'on va laisser aux générations futures, est-ce qu'on pourrait inventer ? Donc oui, et puis le fait que les vivants, aujourd'hui, se tiennent à peu près à la même position, je ne sais pas si c'est de départ ou d'arrivée, face au chaos du monde et au dérèglement climatique. Donc oui, on est en indivision à l'intérieur des familles, mais on est en indivision aussi, surtout sur Terre. Les images que vous filmez des cigognes, parce que ça a un rôle important, les oiseaux, par rapport à leur lieu d'attache, où est-ce que vous les avez filmées? Et puis en même temps, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que vous avez dit aux spectateurs que justement, il n'y avait plus justement de flux migratoires par rapport à... Il y a beaucoup de cigognes au Maroc. Et moi, j'aime beaucoup les cigognes parce que c'est des animaux qui sont extrêmement familiers. On les regarde... C'est vraiment comme si c'était un cousin lointain qui revient de l'exil. Donc on est à la fois émus du mouvement, c'est-à-dire qu'elles soient de nouveau parmi nous, mais en même temps, c'est pas du tout extraordinaire. C'est assez, j'aime bien cette banalité de la présence animale, mais qui reste, qui n'est pas domestiquée.
J'ai beaucoup de mal, moi, en fait, avec les animaux à l'intérieur des appartements. Et donc, la cigogne, elle est sur toutes les rives de la Méditerranée, mais en Maroc en particulier, elle fait partie de nos paysages et surtout de nos familles. Donc, elles sont partout. Elles sont aussi le signe du dérèglement climatique parce qu'elles ne partent plus, elles ne reviennent plus en Alsace. Elles s'installent, elles se perdent quelque part sur des territoires. Il fait chaud et se font froid, elles sont complètement déboussolées. Elles vivent dans des... c'est vraiment des punks, elles mangent du plastique, elles vivent dans des déchetteries, elles sont capables de tout avaler. Et donc, c'est cet oiseau qui vient des temps préhistoriques parce que c'est... C'est quand même une survivance des dinosaures et qui est encore là. Je suis persuadée que quand on sera tous partis, si jamais, je souhaite pas ça, mais si y a une apocalypse, elles seront encore là. Ouais. Et parce qu'en même temps, c'est magnifique parce qu'elles sont nombreuses. Ça a été facile de les filmer ou pas ? Facile, non. Il fallait du temps, de la foi et de la folie. On avait ça. Voilà. Et oui. Alors justement, c'est comme ça, c'est avec les animaux, les oiseaux que l'on observe le dérèglement climatique. Oui, scientifiquement, c'est certain. Scientifiquement, cinématographiquement, je ne pense pas que ça soit la chose la plus facile et la plus aisée. En tout cas, la voie qu'on a choisie nous a coûté du temps et qui nous a aussi mené certainement à la plus grande ivresse cinématographique et la puissance aussi plastique indéniablement. Ce qui était le plus jubilatoire, c'est de réussir à mettre en scène ces tableaux incroyables et en se disant qu'on ferait aussi bien qu'Hollywood. Et mieux, je pense, ouais. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet spéciaux. Alors, la jeune fille, l'enfant, elle communique avec les moyens d'aujourd'hui. Et c'est vrai que comment vous avez pris la décision justement de mettre toute cette communication à l'écran ? Parce que ce n'était pas évident, c'est vrai que... En fait, j'ai trouvé une correspondance de ce que pouvait être un journal au départ. Dans une première version, en fait, elle écrivait un journal et elle filmait en même temps. Parce que ça a toujours... était présent, et puis après, en fait, je voyais qu'il y avait quand même comme une forme de surplus et qu'il fallait choisir. Les réseaux sont fascinants parce que je pense que c'est l'une des plus grosses révolutions que l'humanité a vécue. Ça provoque un vertige qui est tellement infini que pour moi, il fallait se faire violence et ne pas juste dire les réseaux. Ah, c'est mauvais, c'est le lieu de la polarisation, c'est le lieu du fascisme ou c'est le lieu de la superficialité. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire des réseaux pour en faire une arène formelle qui soit une correspondance, en fait, pour un conte. Et bon, bah, voilà, il se trouve que la tradition orale orientale se construit dans une arène et que l'orateur, le narrateur, invente son récit en interaction avec son public. Ce sont les réseaux sociaux. Donc, comme l'héroïne étant une conteuse orientale, sa halqa, sa boucle, son arène, c'est les réseaux sociaux. La vérité, c'est quelque chose qui va finir par peut-être se faire savoir dans n'importe quelle situation, mais là dans votre film aussi. Est-ce que vous pensez que c'est la solution aussi de la libération de chaque famille ? La vérité, oui. Je pense que la crise est nécessaire pour faire advenir un monde nouveau et qu'il faut l'accueillir. En tout cas, il faut pas faire régner coûte que coûte le consensus. Parce que ça aboutit, en fait, j'aime pas le terme décadence, mais en tout cas, une étape de glaciation, à une ère de glaciation où tout est rigidifié, et c'est de ça dont une famille peut mourir. Si elle a peur du conflit, si elle a peur des crises, les adolescents sont en fait des fusibles nécessaires. Parce qu'ils sont dans une mutation et c'est aussi en laissant l'espace de la confrontation à la jeunesse et aux adolescents que advient aussi une promesse de renouveau. Alors pour terminer, parce qu'on arrive à notre temps qui était parti, presque 15 minutes, c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures de ce film, de tous les symboles qu'il y a dedans, mais
Est-ce que pour vous, ce film représente le fait de passer un message, de mettre le point sur quelque chose qui est essentiel aujourd'hui? Un message, non. Parce que j'aimerais qu'en fait, il pose des questions et que ça soit une expérience. Quand vous me dites que vous êtes surpris ou quand j'ai eu des réactions qui sont des gens qui sont vraiment bouleversés, qui sont traversés par le film, qui sont en larmes et que je suis quasi, je suis évidemment moi-même extrêmement émue, mais je trouve que c'est une gratification énorme. Un message, c'est ça. Je trouve que c'est donner une définition quasi comptable du rapport avec le spectateur. De dire, voilà, je viens donner un message. Je viens proposer un récit, une forme qui va être une expérience. Et ce que je peux espérer, c'est qu'une trace se dépose quelque part. Donc, il y a des réactions de rejet parfois. Il faut les accepter parce que quand on sort des sentiers battus, ça peut se faire en sorte que ça secoue un peu. Donc, bien sûr que j'aimerais que tout le monde soit... mais j'accepte aussi le dissensus chez les spectateurs. Et que tout ne soit pas indivisible. Que tout ne soit pas indivisible, voilà, qu'il y ait... chaque expérience que je trouve vraiment avec une émotion très enfantine, je trouve que chaque projection invente un moment qui est éminemment politique de croire encore en la possibilité de regarder ensemble et de se poser des questions. Et donc, c'est sans doute ça le cinéma, poser des questions aussi. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir fait ce film. Ça nous a fait poser les questions et j'en aurai encore une tonne à vous poser. Eh bien, merci infiniment. Merci, Leïla Kelani.